your hat when you will come back and put some water to take your showers. Ce mois-ci, l'émission fait un focus sur 4 jeunes talents. Mais autant vous dire qu'il a été très difficile de faire un choix, tellement le Valais regorge de trésors. Et pour commencer, on vous présente Mia Aoud. À 17 ans, c'est la plus jeune de nos rencontres et elle a un talent incroyable, une voix exceptionnelle. Et Sandrine Ruda, compositrice de musique de film, une Sédunoise qui est partie aux États-Unis pour faire de sa passion son métier. Johannes Jordan, qui s'appuie sur nos traditions pour créer des œuvres contemporaines. Et on commence par Lionel Fournier, contacté par Skype, et c'était début octobre. Catch a wrong vibe when you complicate. Got me feel alone when you draw your pain. Understand why you hesitate. Hey, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de nous accorder quelques minutes. Alors depuis Avignon, vous êtes en répétition. Enfin, vous pouvez rejouer après cette longue pause depuis mars. Comment vous vous sentez ? Eh ben, je me sens très bien. C'est vrai que ça fait énormément plaisir de pouvoir être sur un plateau, de pouvoir travailler, d'être avec une équipe. C'est vrai que la période de mars jusqu'à maintenant a été un peu compliquée. Permettez-moi de baiser cette main charmante, madame, si ce n'est pas une trop grande faveur pour mes lèvres. On ne peut pas évoquer tous vos projets, il y en a déjà beaucoup, je pense notamment à Blanc ou à Einstein. Mais j'aimerais bien qu'on s'arrête sur 12 rue du Paradis, un seul en scène que vous avez écrit. Comment a démarré cette aventure ? Cette aventure, elle est née en août 2018. En fait, je suis allé dans un hôtel abandonné qui est à Gilletro, à côté de Finhaut. Et j'y ai passé un mois. L'endroit m'a tellement fasciné que j'ai décidé d'écrire une fiction. Et ensuite, ce spectacle a été créé sur scène à Montet. De longs bras, de longues jambes. De longs doigts, de longs cheveux bouclés. Un spectacle qui va connaître une deuxième vie puisqu'il sera filmé, on pourra le découvrir sur la RTS l'année prochaine dans le cadre de ces projets de la scène à l'écran. Le projet, c'est de retourner dans l'hôtel où l'histoire a été écrite et de filmer un plan séquence en fait. C'est une proposition de votre compagnie, la compagnie Eteia qui veut dire... Étoile en patois de Nanda, oui. Voilà, vos origines qui sont dans le nom de votre compagnie. Si on parle un petit peu de vous, c'est en dernière année du collège que vous avez vraiment choisi ce métier, choisi le théâtre. Qu'est-ce qu'il représente dans votre vie ? Il représente beaucoup de choses parce que c'est vrai que j'en fais depuis longtemps. J'ai commencé quand j'avais 8 ou 9 ans à en faire, donc assez petit. Et effectivement, vers la fin du collège, j'ai étudié un peu les possibilités qui s'offraient à moi et c'était un peu la seule en fait. Il y avait une sorte d'évidence qui faisait que c'est là que j'avais envie d'être, que c'est là que je m'épanouis. Et vous êtes comme ça tout le temps en ébullition, un petit peu un hyperactif, on pourrait dire. Je suis un peu un hyperactif, c'est vrai, parce que je suis tout le temps en train de penser à des projets qui vont venir après. Je ne peux pas trop m'empêcher. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui... Beaucoup d'envie en fait. Vous avez commencé à chanter toute petite et peut-être ça a commencé par quoi ? Plutôt de la batterie, je crois. Oui, ouais, ça a commencé avec la batterie. Vraiment, à mes 3 ans, j'ai eu la toute première batterie. Et puis ensuite, j'ai commencé à prendre des cours, j'en ai fait pendant 10 ans. Et puis après, je me suis intéressée un peu au chant, justement. J'ai pris 6 mois de cours. Donc, je cherchais comment rendre ça plus complet. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas apprendre la guitare. Hide your soul, 'cause you don't want to know. Don't you understand that you're not so strong. Mais il y a aussi votre famille et votre entourage qui vous a dit, mais... Mia, go, il faut y aller. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est surtout mon père et ma mère et puis des amis aussi à mes parents qui sont musiciens qui, en m'écoutant, ils m'ont dit bah, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est vrai que je me rendais compte que quand j'étais sur scène, j'étais vraiment Mia en fait. C'était vraiment ma personne qui ressortait. Got to hell of paradise, it's the same.
que du coup, la musique, qu'est-ce qu'elle vous permet peut-être de dire ou de faire que vous ne pouvez pas faire en dehors de ce moment-là, quoi ? Je suis aux études et donc il y a beaucoup le stress de l'école, il y a le stress de plein de petits projets qui arrivent par-ci, par-là. Et c'est vrai que quand je me retrouve aussi dans le local ici, j'ai plus de pression, je pense à plus rien du tout. Et ça me permet vraiment de me concentrer sur qui je suis vraiment et de chanter en laissant parler mes émotions. Et c'est vrai que pour moi, je pense que si j'avais pas fait de la musique dans ma vie, je serais pas peut-être autant joyeuse que comme je suis aujourd'hui, quoi. Christ in empty loneliness, a sudden night thinking of all the rest. So you're lost in for nothing, but I was really alone in my own dream. You can prove me. Vous faites des reprises et vous composez vous-même. À ce moment-là, comment elle vient, l'inspiration? Comment est-ce que vous travaillez? Les toutes premières compos que j'avais faites, j'avais 13 ans. C'était surtout des histoires que je racontais. Et puis petit à petit, ça a commencé à être des chansons un peu plus personnelles, avec des paroles qui me touchaient plus par rapport à mes sentiments à moi. Et donc voilà, j'ai des feuilles, j'ai des carnets. Et puis j'écris aussi souvent sur mon téléphone quand j'en ai envie, que ce soit des accords, des paroles ou juste des mélodies que je peux enregistrer sur mon téléphone. Est-ce que là, il y aurait une envie maintenant de faire peut-être un premier album ? Oui, oui, bien sûr. J'ai plein de chansons que j'ai écrites, mais franchement, il y en a peut-être 5 que je garderai. Donc mon père, il me dit toujours, mais pourquoi tu sors pas les autres chansons ? Mais c'est juste que voilà, moi, il y a des petits détails qui me plaisent pas des fois. Donc j'attends vraiment d'avoir les chansons qui me plaisent à fond pour pouvoir faire plus tard un album, quoi. On vous a entendu notamment au Palp Festival. Là, c'est un moyen aussi de tester aussi les chansons par rapport peut-être à la réaction du public. Oui, vraiment. Quand je joue mes chansons, je le fais vraiment avec le cœur. Il m'arrive des fois d'avoir les larmes aux yeux quand je chante même devant des personnes. Et puis, ça, je trouve ça cool aussi de voir les réactions des gens. Vous êtes toujours étudiante à l'ECCG, hein, l'École de Commerce et de Culture Générale à Sierre, avec une envie d'être enseignante au départ. Et puis maintenant, vous vous dites peut-être qu'une carrière dans la musique, ça serait possible. Oui, ouais, exactement. Avant, j'étais bloquée dans l'idée d'être enseignante parce que je me disais que ça resterait une passion à part. Et puis, j'ai de plus en plus l'envie d'en faire mon métier, en fait. Après, il faut avoir la chance, les bons contacts et puis la motivation, puis le caractère aussi. Mais je pense que ça peut se forger. Normalement, vous vivez aux États-Unis, mais voilà, avec la pandémie, vous êtes de retour en Valais pour quelques temps. Il y a pile un an, vous aviez reçu un prix très prestigieux à Los Angeles. Vous pouvez me dire pour quelle pièce vous aviez reçu ce prix et puis dans quel état d'esprit vous étiez? C'était pour Aurore Boréale, un morceau que j'avais composé pour orchestre. C'est déjà un honneur pour moi d'être nominée et puis de pouvoir participer à une soirée comme ça avec d'autres grands compositeurs actuels. Donc j'étais déjà extrêmement excitée de pouvoir les rencontrer. Et puis voilà, je ne m'attendais pas du tout à autre chose. Let's see, we got Sandrine Rudaz. Sandrine, are you here? All right. I'm very thankful to everybody who believes in my music. Est-ce que ça vous a ouvert des portes par la suite? Ce qui est génial, c'est que ça donne une visibilité. Et puis, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on a besoin de montrer notre travail parce que sinon, on va pas forcément nous trouver. Donc, c'est clair que ça agrandit un petit peu les possibilités.
Et puis la composition, c'est un monde plutôt masculin. Le fait d'être une femme, là, ça rajoute une difficulté. C'est vrai que c'est très masculin. Après, les choses sont en train de changer actuellement. Maintenant, il y a des tas de groupes qui sont là pour soutenir les femmes. Il y a énormément de réalisateurs, notamment des réalisatrices femmes, qui essayent justement de créer des équipes de femmes. Et on est encore en minorité, mais on va vers quelque chose de positif. La musique, c'est vraiment votre univers depuis toute petite. Vous avez commencé le conservatoire à Sion en Valais, un endroit où on se trouve aujourd'hui, à l'âge de 4 ans, avec le piano. Mais à quel moment vous vous êtes dit vraiment « je veux être compositrice de musique de film » ? J'ai entendu mon frère qui jouait à l'accordéon, un morceau d'Amélie Poulain du film. J'ai commencé à avoir une curiosité pour cette musique que je trouvais différente de la musique classique. Je la trouvais plus simple. Et puis après, j'ai commencé à faire des morceaux de plus en plus au piano, puis après j'ai rajouté des instruments, du violoncelle, du violon, puis petit à petit, voilà, je me suis dit bon, je crois que je veux faire ça. Nature, if we could only understand her peace, her harmony, her love. En Suisse, il existe un master en composition de musique de film, mais j'avais vraiment envie de partir dans un endroit où vraiment le film était vraiment une grosse industrie. Je voulais aller au cœur de où se font les films actuellement, donc finalement j'ai décidé de partir aux États-Unis. Donc vous avez un petit peu deux disciplines, c'est-à-dire comme pianiste, hein, vous êtes vraiment artiste ou vous faites vos propres compositions aussi, vous avez déjà enregistré un premier album, et puis sinon comme compositrice, où là vous êtes plutôt au service d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, d'avoir les deux, c'est une question d'équilibre. C'est ça, c'est que travailler pour un film, c'est merveilleux, on raconte des histoires, on est au service de l'image, mais c'est ça, c'est qu'on est au service de quelque chose. On est quand même enfermé par le désir du réalisateur. Donc ça fait du bien aussi de simplement pouvoir, sans limite, faire ce que je veux, exprimer ce que j'ai envie, les émotions, les histoires que je veux raconter. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment ? Bah avec tout ce qui se passe, il y en a des choses. Mais je pense qu'il y a aussi du positif et pas que du négatif. Donc il suffit d'avoir peut-être quelque chose qui suscite une émotion et on a envie de la transmettre. Der Titel ist Mazza und das bezieht sich auf eine Tradition, die hier im Wallis gegeben hat, vor allem im Mittelalter. Und da hat man, wenn man mit einer politischen Situation nicht zufrieden war, hat man einen Baumstamm genommen und das Gesicht drin geschnitten, das halt für einen Machthaber oder einen Bischof zum Beispiel gestanden hat. Und man ist nachher von Dorf zu Dorf gegangen mit dem Baumstamm und alle, die auch nicht zufrieden waren mit den Sachen, so wie es läuft, konnten einen Nagel in den Baumstamm reinschlagen. Und ich habe mich dann gefragt, wie man das in unserer Zeit und auch in eine Kunst übersetzen kann. Und ich habe zuerst einen Mazza gemalt und habe nachher das auf Instagram getan. Und Leute, die daran interessiert waren, da sozusagen ihren eigenen Nagel einzuschlagen, konnten mir schreiben. Und nachher habe ich denen eine Postkarte geschickt mit dem Bild. Und die konnten nachher mit der Postkarte machen, was sie wollten. Also sie konnten drauf malen, etwas drauf schreiben, was ihnen halt am Herzen liegt. Und ich habe nachher die ganzen Fotos gesammelt und die digital zu Collagen weitergearbeitet. Und aus dem ergibt sich nachher eine ganze Mazza. Pour vous, c'est pas étrange de choisir un objet comme ça ancien qui fait partie un peu de notre histoire, alors que vous êtes si jeune? Sie scheinen mir eigentlich auch sehr reichhaltig zu sein, weil man jetzt aber mittels so alten Traditionen mit ganz neuen Fragen kann auseinandersetzen, was eigentlich fruchtbar ist für beide Seiten. Alors, la même chose se retrouve dans votre autre projet autour des Cheguetas.
Das war ein Projekt, das ich gemacht habe für eine Ausstellung, die jetzt nicht zustande kam, über Klimawandel. Die Jacketten, das sind ja auch wie so archaische Naturkraft, die sozusagen ein Gesicht bekommen. Und ich habe mich jetzt gefragt, kann ich eigentlich nur so einen archaischen, authentischen Zugang zu solchen Sachen haben? Und habe mich dann halt mit diesen Formen auseinandergesetzt. Ich habe das aber gemacht mit Sprayfarben, etwas sehr Urbanes. Ein Ausdruck, der mir eigentlich näher ist, als jetzt halt eben hier die traditionellen Masken. Liberty. Est-ce qu'il y a une volonté de montrer ce travail à un moment donné? Ja, sicher. Ich male halt erst seit 2 Jahren und ich habe einen Moment gebraucht, um mich wie zu fragen, was sind eigentlich meine Themen, wie will ich das ausdrücken und was ist vielleicht so eine Art Stil, bevor ich das zuerst einmal zeigen. Mittlerweile haben sich eigentlich auch so Themen ergeben, eigentlich Fragestellungen, Motive, die ich immer wieder aufgreife. Und ich habe das Gefühl, jetzt würde ich das eigentlich gerne mal euch halt zeigen und schauen, wie das überhaupt ankommt. Pour plus d'événements, consultez votre agenda culturel sur culturevalais.ch.